devant la galerie Charroux. Ils viennent faire un vœu en touchant l'Hermès de Neuilly-Saint-Georges, une nouvelle sculpture de Peter Julian. Voici son histoire. Hermès était parmi les dieux grecs le plus proche des hommes et le plus bienveillant à leur égard. Il était aussi le gardien des routes et des carrefours, et le dieu de la bonne chance et du bon hasard. Dans la Grèce antique, la tradition était de placer le long des routes, dans les carrefours et devant les maisons, des bornes surmontées d'une tête d'Hermès et portant un phallus. Quand les gens passaient, ils faisaient leurs vœux en touchant le phallus. Au fil des siècles, la tête s'est transformée en copiant le portrait des personnages illustres du moment. Inspiré de cette tradition ancienne, Peter Julian a produit plusieurs images d'Hermès ces dernières années, et voici la plus récente. Faut que je dise un vœu ? Oui. Que mon association 1, 2, 3 Granville réussisse. Essayez, il y a faut toucher. Il faut toucher. Oui, oui. Voilà. Il y a une queue dehors. Hein. Je veux vouloir quelque chose, ça c'est sûr. On fait un vœu. C'est bon, je ne peux pas le faire là. Je peux pas vas-y. Dire. Voici, je pense, Raffer. Okay. C'est bon ? C'est bon. On y va. C'est bon ? Alors, moi, je vais faire un vœu. Moi, je fais le vœu que mon prochain vœu se réalise. À toi, Suzanne. Moi, je fais le vœu de passer la fin de ma vie avec toi. I want to be loved by you alone. Boop boop be doo. Soit très bon et pour longtemps encore. Victoire! Rendez-vous dans 10 ans. C'est bien.